m'inspire toujours des textures que le pigment a créées sur ma toile avant de commencer à peindre. Pour moi, dans cette texture organique, il y a déjà une âme, une émotion, une fragilité. J'aime croire qu'il y a déjà un personnage, son histoire. Il faut juste que j'aille le chercher. Mais tout est déjà dans la toile. I don't want to paint a visual, realistic portrait, but rather to portray the reality of an emotion. I want to illustrate the essence of my subject and bring the viewer in it. That's the reason why I identify my art as visual emotionism. Thank you.
La dernière étape de ma création, c'est l'accident. C'est une série de tâches que je fais que je veux pas vraiment contrôler. En fait, que je veux pas contrôler. C'est la dernière chose que je fais parce que je veux que les tâches restent en premier plan. Ça a pour effet de plonger le personnage au fond de la toile. C'est là où l'émotion et la fragilité prennent tout son sens. C'est là que la toile prend vie. Le personnage et son histoire aussi. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là que la toile m'appartient plus. Ça me dérange pas vraiment de me défaire de mes tableaux. Pour moi, la création, ça doit toujours être en mouvement. J'aime vraiment penser qu'il y a des gens qui vont être touchés par ce que je fais, qui vont se procurer une toile, qui vont vivre avec une partie de moi chez eux. Pour moi, commencer une nouvelle collection, c'est pas comme si je repartais à zéro. Je fais juste continuer. A bottle in the sand.